programme Boulder est une excellente initiative parce qu'il permet en fait aux régulateurs de tenir compte des évolutions du marché à travers la diversité des intervenants qui viennent, et également à travers le mix créé dans les classes, puisque à la fois nous avons des régulateurs, nous avons également des praticiens et nous avons des bailleurs de fonds. Donc cette diversité d'acteurs permet justement de comprendre les évolutions de la microfinance. C'est donc une excellente occasion de partager nos compréhensions des enjeux du moment, de comprendre leur vision de leurs challenges aussi bien réglementaires, aussi vis-à-vis de leur transformation digitale. Les cours viennent soutenir cette réflexion et donnent lieu à des discussions passionnantes. C'est quelque chose qui est très intéressant et j'encourage les professionnels de ce métier à toujours enrichir les connaissances, d'autant plus qu'en matière de finance digitale, les choses évoluent très vite. Donc il est de notre intérêt, de l'intérêt de notre industrie, que de se mettre à niveau et d'apprendre les nouveautés de notre secteur. Les échanges ont été vraiment fructueux parce que d'abord, ce cadre qui vient d'être choisi est un cadre que j'ai trouvé bien approprié, étant donné que nous sommes dans un environnement où tout le monde parle français, on n'a pas de difficultés pour échanger. De plus, pour les activités sociales aussi, sincèrement, je tiens à remercier très sincèrement la personne qui est en charge de cette organisation, parce que nous avons découvert beaucoup de milieux, nous avons découvert la ville. On n'est pas du tout ennuyé et tout s'est très bien passé. Je pourrais ajouter que c'est à la fois un programme enrichissant sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel, parce qu'on apprend à travailler en groupe malgré nos objectifs différents dus à nos emplois. Donc c'est une initiative qu'il faut perpétrer une fois de plus pour permettre à tout un chacun de mieux comprendre le rôle que nous devons jouer pour le développement du secteur de la microfinance.